Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. 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 Pour moi, ce n'est pas juste un concert. Ce n'est même pas une affaire de vaine gloire. Pour moi, c'est une mission. L'Éternel m'a dit, Moïse, je veux une offrande. Une offrande sur l'autel. Je lui ai demandé quel autel, il m'a dit un lieu symbolique. Il a choisi les stades de martyrs pour que son peuple offre cette offrande. Chaque fois que nous serons en train d'élever les mains, chaque fois que nous pousserons des cris de joie, chaque fois que nous allons danser, ces gestes prophétiques seront une offrande déposée sur l'autel de l'Éternel. En 2018, l'Éternel m'a dit, Moïse, tu feras des concerts dans des stades pour ma gloire. Je me suis mis à chanter, au mérité, et j'ai dit, au mérité, Totondi Sabastat, Potokumisayo. Mais juste après, le diable était furieux. Je suis passé par des moments difficiles. J'ai eu envie de tout lâcher. J'avais perdu le goût de rassembler de foule, de réunir de foule pour la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel m'a dit, Moïse, ne dépose pas tes armes, je n'ai pas encore fini avec toi. Et c'est 19 mai, je serai dans ces stades, stades de martyrs, pour porter encore mes armes. Et l'Éternel, Jésus-Christ que je sers depuis mon enfance, sera élevé au-dessus de tout. Il sera le Dieu de ces pays. Parce que ces concerts, c'est les concerts du peuple. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network.
Oh,
Hey, hey, hey.
Chantons son gloire.
Bongo Okoloya, le 7 avril 2024, Zan
azwa musali na ye alors que tozalina na kosa na ye akende kopema pembeni na ye bongo biso toza bana nzambe tolobaka yende apesaki biso lisi yende akamati lisi nkombo na ye ezwa lokumu amen. J'ai compris beaucoup de choses.
Papa, c'est pas mon mari, c'est ma case. Là, tu ne vas pas me parler d'ailleurs. Là, tu ne vas pas me parler d'ailleurs.
comme juste la cible interne dans les réseaux sociaux et dans papa José. Puis si tu as non pas cible pour mon communauté, on a dans mon communauté, dans ma tuteur, dans mon communauté, dans ma vidéo qui s'en latine. Vos âmes sages, vos âmes puissants. Et à une balai, dans une nature de la communication, il faut qu'on m'en laisse pour qu'on y va de là, pour nous autres, pour les aides.
Thank you.
Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur de me tenir devant vous et de partager le précieux souvenir de ma mère. Elle manquera à tous, mais sa mémoire vivra en nous pour toujours. Ma mère était une femme douce, chaleureuse et pleine de vie, qui faisait toujours tout son possible pour aider les autres, et c'est là, quoi qu'il arrive. C'était une femme fière et digne, qui avait une véritable soif de vie. Sa modestie n'aurait pas supporté qu'on la qualifie de femme exceptionnelle, et pourtant, elle l'était. C'était une femme simple qui ne cherchait ni la lumière ni la gloire. Non, si elle est exceptionnelle à mes yeux, du moins, et sans doute aux vôtres, c'est qu'elle dut supporter toutes les épreuves qu'elle lui réserva la vie. À cette mère courageuse et forte qui nous a protégés de toutes ses forces, et qui nous a aimés de tout son cœur et qui est à l'origine de toute nos réussites. Bien sûr, maman, tu avais bien des chagrins, mais tu les gardes pour toi par pudeur. Tout passe, tout s'efface, sauf le souvenir. Ton souvenir restera à jamais gravé dans mon cœur. Et pour terminer, maman ici Kunda Kondolo, on te promet que nous resterons obéissants et fidèles à Roger Koutouma, notre papa, jusqu'à la fin de nos jours. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, à votre titre de qualité et de sécurité, à Dieu soit la gloire. En ce jour mémorable et inoubliable où nous célébrons ce culte en mémoire de notre régulatrice Lucie Kunda. Une fois de plus, notre famille de musiciens chrétiens est affectée, touchée, car après la disparition inattendue de Yahweh Ngoni, Charles Mombaya, Blaise Zakila, Debaba, Alain Moloto, Marie Sam, Tambotich, Kangoumanzeka et autres, notre sœur Lucie Kunda préfère nous quitter pendant que nous avions encore et encore besoin d'elle. Très dévouée, disciplinée, respectueuse, persévérante, sa belle voix, son sourire, son esprit d'équipe, son talent de compositrice nous manque déjà. Son sens élevé de collaboration a fait d'elle l'une des chanteuses qui a participé à la réalisation des divers albums de plusieurs artistes de toutes les confessions religieuses confondues. Moi qui vous parle, suis catholique et j'ai réalisé plus de deux albums avec le groupe d'assistance. Lucie Kunda a servi son créateur dès son jeune âge, devenant ainsi un modèle pour sa génération ainsi que les générations futures. Elle nous a tous épatés ici par une vie exemplaire de servante de Dieu. Car depuis que nous l'avions connue, en aucun cas elle n'a déçu ni les aînés, ni ceux de sa génération, et même ceux qui sont venus après elle. Membre de l'MCC, de la première heure, Lucie a contribué à cet édifice et n'a ménagé aucun effort pour la survie de celui-ci. Qu'elle vive dans nos cœurs, qu'elle vive dans l'Église comme le Christ à ce moment décisif où nous sommes tous décidés à redynamiser notre chère association AMCC. Nous avons la foi que notre sœur Lucie n'est qu'une graine sémée sur une bonne terre et qu'en temps de moisson produira plusieurs lucies.
à sa famille biologique et musicale, comptez sur nos prières afin que le nom de Lucie demeure toujours. Aux autorités politico-administratives, aux autorités ecclésiastiques établies, aux collègues musiciens à travers le monde entier et aux hommes de bonne volonté, nous disons sincèrement merci. Merci pour votre soutien moral, matériel et financier pour ces hommages rendus à notre sœur. Que Dieu vous bénisse. La Congo et la famille, nous restituons d'abord merci parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Merci pour le soutien à l'Union. Merci à Nisolo. Merci à ma pensée. Merci à ma loi. Pour que je ne suis pas là, je ne suis pas là. 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 Je ne suis pas. Merci, merci également à ma musicienne, à la Monaïo et à ma musicienne, à Sali Moussala Mounene, ou à Lucia Koufaki, qui nous a dit. Merci à ma famille, ma pasteur Nyonso, et à la CVC, et à ma pasteur Nyonso, et à l'église coordinatrice, pour que vous voyez qu'il faut encadrer le site et pour accompagner le chien à Koufakoyo. Tout le cas, ça a été, nous avons été à mon avis. Nous avons des attentes la vie de famille et à Sikunda. Pour moi, je suis en train de faire une nécropole. Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je voudrais remercier le Seigneur. On m'a demandé de faire la prière finale. Si nous pouvons nous lever, comme ça nous allons prier, nous allons déposer les gerbes de fleurs parce que nous courons derrière. S'il vous plaît, un mot, pas de prière. Ah, c'est ça. Si vous avez un mot à dire. Un mot, c'est de dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour cette grande servante de Dieu. Comme l'ont témoigné la plupart des personnes qui se sont succédées ici, Lucie Kunda, c'est le cœur. J'insiste, Lucie Kunda, c'est le cœur. J'ai bien suivi le témoignage de notre bien-aimé José Zita. Vous ne trouverez jamais le Kunda Sister dans les conflits, jamais dans les problèmes. Je pense que c'est un exemple pour nous tous en tant que corps de Christ. Nous devons nous aimer et éviter à ce qu'il y ait des disputes entre nous parce que ça détruit les témoignages de l'œuvre de Dieu. Et je pense que quand nous pleurons ici aujourd'hui, nous devons copier les bons exemples. Ici pas, mais ces chansons restent. Surtout le dernier mot, je pense qu'en tant que chrétien, nous allons l'honorer. Alléluia, ce dernier album au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Merci. Passez la vie,
Thank you.
Abonnez-vous massivement sur Aïcha Opoko Network. Pour moi, c'est pas juste un concert. Ce n'est même pas une affaire de vaine gloire. Pour moi, c'est une mission. L'Éternel m'a dit, Moïse, je veux une offrande. Une offrande sur l'autel. Je lui ai demandé quel autel, il m'a dit un lieu symbolique. Il a choisi les stades de martyrs pour que son peuple offre cette offrande. Chaque fois que nous serons en train d'élever les mains, chaque fois que nous pousserons des cris de joie, chaque fois que nous allons danser, ces gestes prophétiques seront une offrande déposée sur l'autel de l'Éternel. En 2018, l'Éternel m'a dit, Moïse, tu feras des concerts dans des stades pour ma gloire. Je me suis mis à chanter, au mérité, et j'ai dit, au mérité, Totondi Sabastat, Potokumisayo. Mais juste après, le diable était furieux. Je suis passé par des moments difficiles. J'ai eu envie de tout lâcher. J'avais perdu le goût de rassembler de foule, de réunir de foule pour la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel m'a dit, Moïse, ne dépose pas tes armes. J'ai pas encore fini avec toi. Et c'est 19 mai, je serai dans ces stades, stades de martyrs, pour porter encore mes armes. Et l'Éternel, Jésus-Christ que je sers depuis mon enfance, sera élevé au-dessus de tout. Il sera le Dieu de ces pays. Parce que ces concerts, c'est les concerts du peuple. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Opoko Network. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Opoko Network.